Bon, je sais que je vous l'ai déjà dit, on a mis énormément d'argent sur vous, donc je compte vraiment sur vous pour rentabiliser tout ça. Mais pourquoi vous avez mis tout ça? Parce qu'on sent que vous êtes des valeurs montantes. Je comprends rien, moi. Tu comprends? Bah, c'est facile, montante, vu qu'on est à l'étage. Bah, pourquoi elle dit pas des valeurs de l'étage? C'est normal que Adèle soit pas là. Enfin, en même temps, c'est pas une valeur montante, hein. J'ai appris aux petites frictions. Tu sais, on n'est pas la maternelle, hein. Faut arrêter tout ça. Par contre, Hélène, c'est vous qui distribuez les rôles dans le bâtiment? Oui. L'agent de sécurité? Oui. Y a un problème? Mais quel connard! Miracle, elle est sortie de son lit. Qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, y a un mec avec un brassard orange là qui m'a fait une clé de bras. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le brassard orange? Non mais Aline, le mec m'a fait une clé de bras, ça me fait super mal, et tu crois que j'ai le temps de lire ce qu'il a noté sur son brassard là? Non mais Adèle, elle s'appelle Alice, pas Aline. Et détends-toi un peu là, assieds-toi. Moi aussi, je m'appelle Alice. Hein. Non mais c'est quoi ça? Bref, il va être là tout le temps là? Bah c'est l'agent de sécurité donc il sécurise. Ah ouais, ok, j'aime bien quand on me parle comme une débile. Voilà quoi. Par contre, t'as moyen de baisser le volume quand tu parles parce que tu me casses les oreilles là. Lola, c'est ça? Bah ouais. Ah ouais, donc c'est toi la nouvelle star? Bah ouais. Après, dans les nouvelles stars, il y a aussi nous. C'est pas trop le moment à Wena là en fait. Ah oui, la classe biberon. C'est ridicule. Pourquoi pas la classe couche-culotte? Adèle, par contre, là on parlait calmement et toi t'arrives, t'électrises tout ou tu. Mais ta gueule. Mais toi, ta gueule. Eh, c'est bon là, arrêtez. Mais c'est à elle qu'il faut dire ça, hein. Ah ouais, non mais c'est la journée là, l'autre gros con, elle, les mioches là. Du moment qu'elle parle pas de moi. Et elle fait quoi là? C'est mince. Ok, bon, je vais reprendre la main. La réunion c'est à quelle heure déjà? 15h. Et il est quelle heure? 15h10. Donc? Elle est en retard. Et bah voilà. Ça va, t'as un poisson pilote maintenant? Bon, Adèle, ça suffit maintenant, on en a marre de tes crises là. Depuis le début tu nous gonfles, tu nous fatigues, vas-y dégage là. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais il me prend que... Bah elle chiale elle. Non mais ça va aller Christina là? Non! Ça va pas! Bah pour gérer ça, bonne chance hein. Elle est sensible? Faut croire. Elle est insupportable. Ah non mais je sais pas quel rôle tu répètes là. Mais c'est bien joué hein. Mais Adèle je joue pas là. Crédible, super crédible. J'entends un bruit de pas là, on dirait Terminator là, l'autre. Terminator? J'ai entendu du bruit, je dois intervenir ou quoi? Oh la vache, il prend toute la porte. Alice. Bah je préfère qu'il s'en prenne à toi plutôt qu'à moi. Hein. Pourquoi il me regarde comme ça lui? Cible repérée. Je peux savoir pourquoi il me regarde comme ça avec insistance? Ben je crois qu'il va te tuer hein. Mais non, il est programmé. Bah oui mais si c'est programmé, ça peut bugger hein. Mais non, il nous a coûté un bras. Vous payez avec des bras? Non mais on l'a payé un bras, c'est on l'a payé très cher quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais lui il est mort maintenant. Mais non il est pas mort. Axel? Axel? Il a jamais été aussi intelligent. Il allait me tuer là? Ouais j'ai vu ça sur internet, il y a un bouton reset derrière. Reset? Mais ça serait où? Bah sur internet là ils disent que le bouton est derrière la nuque. Ouais, bah tu appuieras sur le bouton quand je serai sortie, hein.